Voilà, la bonne nouvelle vient de tomber. La bonne nouvelle vient de tomber. Après chaque investigation de ça là, toujours les bossuets habitando pour vous informer des investigation. Partout où vous nous suivez, merci de commenter, de liker et de partager l'émission. Abonnez-vous aussi si vous allez monter ici dans la chaîne. Si vous êtes nouvelle à nous découvrir au travers le fil de YouTube, veuillez vous abonner à PIFO Officiel Télévision, car vous informer c'est notre devoir. Tu as une mission même sous la pluie de vous informer. Bino bato bokota la biso na Goma, na Kabinda, na Katanga, na Lubumbashi, na Congo Central, na Bandundu. Vous allez ébélé bokota la biso na Afrique du Sud, bandeko ya Gabon, bandeko ya Brazzaville, bandeko ya Kenya, bandeko ya Zambie, ya Burundi, bandeko ya France, Australie, bandeko Australie, papa Youssouf Ngoma en Australie, bandeko ya Australie, merci. Bandekoya États-Unis d'Amérique, maman Arlette Bondoa depuis États-Unis d'Amérique, merci. Botakabiso vraiment ébélé, bandekoya Suisse, bandekoya Belgique, bandekoya Londres. Après l'investigation d'Abiso Lilo, on peut dire que c'est bonne nouvelle. Oh, le gouvernement enfin a décidé. On va lire ensemble avec vous. Lancement des travaux, construction du poste frontalière de la petite barrière de Goma, 24 octobre 2023, lancé par le ministre de l'Infrastructure et Travaux Publics. Maintenant, Goma en RDC, c'est au monde de l'Oasika. Autozo tient entre Bissau et le Rwanda. Ozaki, je vous ai facilité avec le côté de la pété. Cette fois-ci, fini la récréation. Nous disons un grand merci au gouvernement de la RDC de pouvoir barrer la route à l'ennemi M23, Paul Kagame et ses acolytes de ne plus rentrer en République démocratique du Congo en divagation. Et nous insistons encore pour le ministre de l'intégration régionale Moussa Nyamou, de revoir en fait ces décisions et l'accord de suppression du visa entre la RDC et l'Ouganda. On n'a pas besoin de ça, nous Congolais. Le gouvernement a publié des images de drones montrant l'entrée de l'armée rwandaise dans le territoire congolais, dans les Kichanga. Quand on dit que l'M23 c'est une branche de l'armée rwandaise, beaucoup de personnes ont dit non, les djali, les consorts, c'est tout. Tu sais que tu partiras. Nele Kabila Kenda qui un jour, à côté qu'à couvrir pas un mouton moussousou. On a commencé avec Savoumou. Après c'était qui? Mobutu. Après c'était qui? Kabila le père, Kabila fils. Aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi comme président de la République. Et aux populations, il y a un deuxième mandat pour bien faire les Congolais. Mais après, l'obi a kokende, mais le Congo restera. Ce drapeau ici, tricolore. Drapeau écotique, là, toujours en couleur de bleu, jaune et rouge. Oh, le gouvernement y est mon quoi publié. Il mange à bas drones sophistiqués au phare de sa zanango. Papa, mon cabaye, il y a le vin de Kosilver. Mais est-ce que vous ne pouvez pas qu'il y ait un bibounde, le makassi, le bindou, que les avions de chale et sur quoi et qu'on sort. Bah, sur quoi, il y a un bounde bitoumba isali. Bah, armé un bounde bitoumba isali. Pour n'a pas délogé mon bounde en 23 isali. Mais, il y a une question que nous tous, nous posons la même question. Au temps actuel, que pays n'a pas besoin de agresser, est-ce qu'on peut respecter ce qu'on appelle fait des roues de Luanda de cesser les faits? Est-ce que nous, ici Congolais, nous respectons le cesser les faits? Mais est-ce que le Rwanda,
Puisque Rwanda, vous allez koboya, nous sommes RDC, allez kofunda, vous allez koboya, vous allez force et consort. Mais ce sont les drones de FARDC, de l'armée congolaise, qui a capturé l'entrée sur le sol congolais, dans le territoire de Kichanga, il y a armée rwandaise. Et là, on va encore respecter cesser les faits. Nous demandons aux autorités de revoir cette problématique de cesser les faits. Parce qu'on en a marre de ça. Comment est-ce possible que nous respecter Ango, mais Rwanda est en violation de cesser les faits. Pendant ce temps, sous l'œil, il y a la communauté internationale, il y a la communauté, il y a États membres d'Afrique de l'Est, il y a SADC et consorts. Vous avez entendu le dispute entre le Rwanda et l'Angola. Le président Lourenço a appelé lui-même Paul Kagame. Cessez de menacer les RDC. Kagame a commencé à balbutier, à dire des choses de consorts. Nous y reviendrons avec les forces et détails sur cette information. Et ce matin ici, qu'est-ce qui s'est passé à Goma et à Kichanga? Dans les environs, qu'est-ce qui s'est passé à Nyiragongo? Les Congolais nous ont informés, nous ont appelés et nous ont signalé de la situation, ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a un confrère qui publie chaque fois, chaque instant, les informations concernant l'Est de l'RDC. Tout en souci, il y a coupé sa bulle d'information. Nous sommes réveillés sous de fortes détonations ce mardi matin. Le jeune résistant d'autodéfense combattant le militaire de l'armée rwandaise, déguisé en rebelle du M23, explique un habitant de Kibumba. C'est, donc, des jeunes résistants Wazalendo, baso mérité soutien total de la population congolaise. Partout où nous nous trouvons, partout où nous sommes, nous devons leur soutenir. Toutes ces images que vous a trouvé la bino. Wazalendo a dit qu'on résistait. Mais avec quelle arme? Avec quels moyens? Na souci au balobi toujours il faut se bien na bisoto koba combattre la mboka na bisoto récupérer ba territoire na bisoto. Et quand vous l'enternez au kota pour na deux parts ya EAC en disant que non l'EAC va partir maintenant banque aussi là na décembre je ne sais pas moi et tout la Monisco, je vois ici un article publié par un confrère où il a dit, début des travaux d'élaboration du plan de retrait accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO. Nous voulons aussi que ces plans soient accélérés. On veut l'accélération de ces plans parce que Bazali Bato et Bazo Pesabeki dans M23, MONUSCO. Quand on a vu un monisco dans l'aéroport, c'est trop cher. Depuis on a commencé à dire monisco, très. Donc c'est une image, on a dit monisco, c'est-à-dire que Timo l'a minéré. Et si on a dit que ça, la pompe, on a dit que FARDC, kata qui tombe, tu me vendais qu'il y a une bande dans mon bout, elle est qui, dans la souka, et mon bout, il y a 2022. Mon esquoi, qui a zone ici, pour le bisou, pour être ce que nous, il faut pas les cabas, tant que nous sauver la population. Alors que c'était pour moi, on a dit que ça m'a cassé, on a dit que ça traversait, pour que nous bouddhis ça va congoler. Si aujourd'hui, mon esquoi, le bisou, la mission, il y a un côté à peine, dans le cas d'Afrique, bon, ici je parle le cas de la RDC. Ce qui est bon, c'est qu'il y a un qui mène à la RDC. Je vais vous expliquer, biso, depuis Bazaliawa, peine ni bango basi batie. Si vous avez compté mon nombre de 1, 2, 3, ben ça biso, toi, na quantième paix, on va continuer à rester en Boko Nabiso. Monisco. Si pas consommer gouvernement bon et belé, Monisco, on est au fait l'été, hein.
bazwaka bambongo et puis il gagne des millions na mafia ya kobimisa minerai par hélicoptère na bango kende na ba pays étrangers. Ce n'est pas seulement l'M23 où on est allé copier un bon cannabis. Mais là, les Italiens sont dans l'autre, ils ont dit Monesco. Mais l'hélicoptère à Monesco, on a allé construire dans la ville de Goma, on a allé pour qu'on ne construise la population. Non. On a allé pour l'atterrissage, on a allé repérer les minéraux, on a allé repérer l'or et aller combattre les consorts et tout. Quand je parle de choses de minéraux, quand je pense à Mwanga Chouchou, je pense à quand les autres boutons dans mon thème. Les gens comme Mwanga Chouchou, je pense à Mwanga Chouchou. Des révélations très troublantes sur Mwanga Chouchou, de dingue à la prison. Monesco est en Bolakate, jamais. Je ne sais pas si je ne pas embêter mon avis pour suivre la population. Non. Tu as une mission pour les minéraux, pourquoi tu as une mission? Ce n'est pas seulement le Monesco, il y a beaucoup de minéraux. Il y a encore EAC. Il y a beaucoup de Congo, il y a encore pour la paix, mais paix avec bon ami, pillage de minéraux. Il y a encore pour la paix entre la communauté de l'Union sur l'Afrique de l'Ouest, pour la paix dans la sous-région, mais paix avec un pillage de minéraux. Au RDC, il y a subir en l'endroit la communauté internationale, les pays, les pays de l'État membre de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que nous, on a bénéficié au côté de la EAC? On n'a rien du tout bénéficié. Quand il y a EAC, il y a les côtés, non, l'État membre. Donc, ils ont presque mission dans Monesco. Parce que vous avez chanté, vous avez dit, paix, tout le monde, paix, 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 kimia, 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 kimia. Ah, paix, wana, puisque le paix de pillage et le paix de kimia, et ça veut dire qu'on ne va pas dire, paix à paix, et comme paix, il y a pillage. Mon discours est pillé, et assez est pillé. Et assez, ça veut dire qu'on pillé, moi, il y a un renfort, renfort, il y a même 23. Mon discours a dit que pire, moi, il y a un fort, il y a même 23, il y a un mineur qui est en train de. Et maintenant, cette situation où nous sommes, la tribu des Nations Unies, moi, je suis Christophe Mutundula, a tellement qui il y a un 23, a tellement qui il y a un Kenya Monesco. Je dis que l'impa, biswa, tout, je vais vous dire que l'impa, 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 et comment on va pousser mon micro. Or, pendant ce temps, RDC a préparé l'élection. Il y a un trouble dans l'Est. Tout ça dans la mission est dans le dialogue. Si vous avez un peu de temps, ça ne va plus. Comment est-ce que possible l'opposition et les politiciens congolais et les rebelles du M23? Bah, ça a quand même langage. Au moment où Kinshasa entre, l'opposant, bah, il y a un dialogue, c'est au même moment M23 aussi un dialogue, au même moment Mindé aussi un dialogue. Opposants congolais, si vous êtes congolais des opposants, dialogue, moi je ne sais pas sur comment on réfléchit. Tout ce dialogue-là ne servira à rien. Kabila il avait partagé son fauteuil à 1 plus 4, tout en s'en associant avec des rebelles. Rebelles, c'est là qui n'en boque. Bah, à côté ça même, bah, rebelles, na katia bah, yarmé en boque na bisou. Ma kamongo c'est là quoi? Bah, zo même bah, Rwandais, bah, tiens bon katia bah, institution en boque na bisou. Ma kamongo c'est là quoi? Et aujourd'hui, on va encore dire dialogue. Et comme ça, inclusif ou exclusif. Il y a mis sur mon côté, ton côté à bâtonnier surtout. C'est là où, même nous, journalistes, nous sommes contre l'opposition, dans le langage, dans le dire, dans la déclaration, dans le sale. Parce qu'on ne peut pas vendre le pays tout en écrivant des gros mots français. Je suis un français, je suis un français. Nous allons
vous allez et ils ont. On va faire, on a déjà, voyez ceci, voyez cela, ils vous signent. Vous allez vendre ces pays un jour. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de ce qui se passe à l'Est de la RDC, vous politiciens congolais? Est-ce que vous êtes fiers de ça? Vos enfants lobby. On va lapider la génération qui va tomber dans le monde à lobby. On va maltraiter, mal vie à votre absence. Est-ce que vous êtes fiers vraiment que non, je suis opposant, quand je suis politicien congolais et est un bon Kananga? C'est bizarre. C'est comme si vous êtes dans un lobby, le pont, qu'est-ce qui est M23 à côté? C'est moi qui sais que nous allons perdre. Non! Bisonnions sur le Congo, nous allons perdre. Aujourd'hui, le président de la République a dit voyage. Nous avons dit que investisseur. Nous avons dit que nous avons dit tant qu'opposant. Nous allons tout faire, on va barrer la route pour que les investisseurs ne viennent pas en RDC. Et où en sommes-nous avec les investisseurs? Et c'est ma trop peu qui sont venus. Les Mozit ou les Moukwege, les Faou, les Katoumbe, les Konsoba, les Kouen, fiancés dans les bandes de Mboka. Yo lobby, pourquoi ma présidente dans Mboka Wana? Quelqu'un qui nous soutient et pas un Mindele. Vous voyez, si on a comme président dans Mboka, si on a comme président dans Mboka, ça va nous bouger. Mais en même temps, Mboka Wana, ils ont payé la moto, ils ont battu dans Mboka Wana. Ils ont condamné l'acte de ma vie contre Oyo. Elle est côté, mais quand tu dis Mboka Wana, c'est même ces blancs-là, ils ont été auteurs de ma Kamboa. Ils ont été déjà. Ils ont manipulé, ils ont comme le bilan de Bokondi. Ceux qui ont manipulé, ils seront d'accord pour ne pas Kamambokawana. Le président, dans ma côté, il n'y a pas de Kinyi. On va déboulonner le système. Fatia n'a pas de déboulonner le système. Donc, on déboulonner le monde de Kinyi. Calmement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cette histoire de l'ensemble national de Janine Mabunde et de Tambe Mwamba au Sénat et de Ilunga Nkamba à la primature, où en sommes-nous? Cette histoire de Yemé à Lobi, de Tunde Kassé de là-bas à tête du ministère de la Justice, où en sommes-nous? Aujourd'hui, Tunde Kassé ne se retrouve dans l'Union sacrée. Maintenant, il est devenu acolyte de Félix Tshisekedi. Il est maintenant dans l'Union sacrée. Les présidents l'ont dit, on va déboulonner. Abandi Kosimba, Okanga, papa, 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 papa. Et aujourd'hui, nous disons merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour ces grands déboulonnements. Oui, Salemi, oui, l'équipe va déboulonner, nous sommes au Salaki. Nous tous qui nous conduisons en boucle. Ils allaient à Kozongisa et dit qu'à peine aux affaires. Il y a qu'on nommé dit qu'à peine commandant à 22e bataillon à Konda Grand Katanga Mobimba. C'est le plus grand cauchemar où le FCC est zoui. Où il va très très infiltré à Katanga, va zoui. C'est un cauchemar. Personne ne s'attendait à ça. Moto moko azela quand ça qui était un jour au stade ma bako tant jour ma bako zo zaka isusu qui le colonel dit capen. Et là dit capen à la tête. La commandement la grand katanga mobiba. Yepenani katangé.
Maintenant, bitumba ba katangé na ba katangé, biso to kosala nini. Biso to komi ba katangé. Vous allez lire l'air. L'air là, vous allez le lire. Vous allez lire l'air. Et tous nous lirons l'air. On va lire l'air. Le stratégie du chef de l'État, c'est quelque chose. Oh, il y a tout ça là. Et maintenant, je vais vous révéler une chose dans la deuxième partie de l'émission concernant John Numbi et le général Christian Tshiwobe Songesha. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui se passe? Le D5 étoiles. Numbi 5 étoiles. Par exemple, soit la civile, ma commune 5 étoiles. Et Tshiwobe Songesha, 5 étoiles. Actuel commandant chef d'état-major de l'armée congolaise. On va lire l'air. Tous, on lira l'air ici. Hey, on rira. Voilà, merci. Moi, j'ai besoin d'une deuxième partie émission. Tous ont la ma révélation à Kafou Kafou. Merci à Francis Capé dans la caméra. John Couvet, c'est un peu continuer à s'abonner, à partager. De comment bien grand déconseil, vous avez un peu de temps pour la Baminga. Si vous avez un peu de temps pour la Baminga, vous avez affiché. Comme vous avez un peu de temps pour la Baminga, vous avez un peu de temps pour la Baminga. Soit à partir de la RTL Money et de la Baminga, vous avez un bientôt là tous les techniciens vous allez sur le canal PayPal pour rejoindre mon place ou na na ba na fiche na biso pour na kosunga biso na musato ko sala moto ko na moyi tout ni na deuxième partie émission votre camarade. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque? Kinshasa, Angola, Paris et Amérique, surtout ma province, Oyo ezwami na République démocratique du Congo, Oyo bozelaki, eye botuninga inini. Ezali bongo imprimerie pro étoile agency, bazali kosala mosala, yaba impression na ba support nyonso ndakisa, polo, chemise, bache, carte de service pe misusu. Tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble, ancienne galerie présidentielle na deuxième étage local DM4. Référence à Rekin Marte, ce qui est au Komiwana, Ozali na yo mobimba. Na imprimerie pro étoile agency, Ozali commande kakalelo, Ozui pe kakalelo, bazali bongo na capacité à kosala plus de 1000 polos na jour. Pouka lelo, olambi lelo, tembesili, Ezali nde awa na pro étoile agency. Ah oui! Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir.